Accrochez vos ceintures. Une petite touche de sauterne, parfois, sur cette épreuve relais des châteaux. Avec le château d'Hermitage, la cloche en retentit. Olivia, c'est quand vous voulez. Et voilà, c'est parti. Allez, parcours entamé pour cette équipe. Donc, première équipe éliminée, la deuxième équipe est à 20 points. Allez, il faut faire mieux. Ah, c'est tout le mal que l'on souhaite, bien sûr. 1, 2, 3. Ça c'est 5. 5, ça se voyage, c'est bien vu, le numéro 6, le vertical. On est sur une hauteur de 1 mètre, hein, je vous le rappelle, sur ce début de parcours. Voilà le numéro 7, Ekelson, c'est un bon galop, un bon rythme. Bon branchement de numéro 8, observe des papillons. La dernière ligne droite pendant ce temps-là, et bien Veritas Queen se prépare à prendre le relais. Il faut que les antérieurs se soient réceptionnés pour que l'obstacle numéro 5 puisse être franchi. C'est bien vu pour Olivia Filling, qui signe par course en pénalité. Le relais est passé, pas de perte de temps. Et Veritas Queen qui s'élance donc avec Onyx Star. Allez Veritas. Pas baisser de régime, il faut assurer ses courbes, assurer son parcours. L'équipe qui aura le moins de pénalité dans le temps de tour rapide emportera donc cette épreuve qui sera très largement dotée en cadeau. Épreuve surprise donc à l'occasion de ce jumping des vendanges. Voilà la dernière, donc on en est au numéro 9. Et ouais, il faut l'encourager, et ouais, vous avez raison, ça manque un peu d'encouragement. Et vous voyez, une petite faute qui arrive comme ça. Allez, 4 points donc pour l'instant simplement sur le numéro 10. Pour Bérénice qui franchit le twister, le pont. Allez, on est sur la moitié du parcours maintenant. Pour cette moment, la pointe, c'est le numéro 12. Virage à gauche, toute. Le double de verticaux, bien franchi également. On en a été au numéro 13. Donc, allez, l'observe Chibaou. Ok, pas de soucis. On arrive sur le numéro 15 et le passage de relais dans quelques instants. Et donc, oui, voilà, le 15 est bien franchi. On est simplement à 4 points. Un bon passage de relais pour la troisième cavalière. Sinon, Ninon Quick qui s'élance donc avec Cheyenne de la Touche. Sur le numéro 12, donc